comment ça, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Airport CEO, oui, exactement, sur Airport CEO après 3 mois. 3 mois, voilà, vous avez passé 3 mois à attendre cet épisode, c'est très sympathique, je m'en excuse. Si, bon, c'est un peu, disons que j'ai un peu la flemme de jouer, mais en fait, j'ai envie d'y jouer à ce petit jeu, parce qu'il est très sympathique. Donc j'ai fait 2-3 petits trucs que j'avais fait il y a longtemps aussi, notamment l'aménagement ici de cette petite zone, avec cette petite zone, le marquement et tout. Pareil ici j'avais commencé mais j'avais pas totalement fini notamment à faire ce qui monte là. Enfin voilà, donc ça a pas beaucoup changé depuis vous. Il y en a beaucoup qui ont dit que là ça faisait bizarre les couloirs et tout. Moi je sais pas, j'ai envie de tester. C'est comme ça en fait, ça me laisse la place de pouvoir aérer, c'est-à-dire qu'après, si j'ai besoin de là d'agrandir, je peux agrandir comme ça là, sans problème. Si j'ai besoin de créer un deuxième truc de sécurité, hop, je peux l'agrandir là et je peux faire un deuxième couloir ou des choses comme ça. Enfin voilà. Alors dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va essayer de mettre en service ce petit terminal et préparer donc toutes les infrastructures aéroportuaires. Alors je visualise un peu déjà on va dire que je pense que là on a des stands. On va peut-être faire un autre truc de petit stand ici. Après on va peut-être encore faire, ou alors peut-être pas ici, mais un ici. Après on fera que des grands là. 4, enfin 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et les deux pistes seront là, 1, 2, là. Et à la limite peut-être envisager en mettre une troisième là, mais ça c'est vraiment, vraiment au cas où quoi. Alors, donc pour commencer, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite runway. Histoire de, hops, de commencer à situer. Alors on en a, ça va être ma piste extérieure, donc on va mettre là. Et pour l'instant je pense que je vais en mettre qu'une. Pour l'instant on a plein de longueur, donc je vais essayer de la mettre pas trop loin. Je vais essayer de la faire aller jusque là et pas plus loin pour l'instant ici, mais ça on verra plus tard après pour l'agrandir. Après ici, à ce niveau là, mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, service road. On va faire comme ça. Et donc là, sûrement, on aura d'autres stands. Comme tout là, on aura d'autres stands. Voilà. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est ça. Alors, comment vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Et donc là, on va traverser. J'ai quoi de distance entre ça et ça? J'ai 15 de distance. On va la mettre en concrete et on a dit qu'on la montait vers l'est, donc on va la monter à 1200 mètres. C'est pas des mètres, enfin de la réelle longueur. Ah, j'ai mon concrete, est-ce que je vais aller en concrete? Ouais, pour l'instant on va laisser en concrete, je la préfère en asphalte personnellement. Donc ensuite ce que je fais, hop, je mets une petite bordure comme ça en concrete parce que je trouve que ça fait un truc sympa. Ah, tic. Ok, alors donc ensuite là on va pouvoir tout de suite, et bien tout de suite Taxi Way Foundation, créer les fondations de taxi. Ouais, voilà, donc là on en aura une, donc on va la faire monter jusque là. On aura une deuxième 3 plus loin comme ça. Voilà.
Donc pour l'instant, voilà. Et donc, je vais directement placer une deuxième piste. La deuxième piste, elle sera là, je pense. Juste comme ça. Je pense. Parce que là, hop, on met une troisième. Et là, à la limite, j'en mettrai que un comme ça, là. Hop, hop. Ouais, on va la mettre là. On va la rapprocher un poil comme ça. Ok. On la met là, du coup. On a encore 600 000 de budget. C'est faux parce qu'on s'en fiche. On s'en fiche du budget là sur cette partie. Alors, ensuite, on peint de cette façon. Hop. Et là, voilà. Magnifique. On crée des petites séparations. Donc, sur ce point-là, on est good. On est good, on est good. Maintenant, je vais faire petite sortie. On va faire une sortie intermédiaire là. Et déjà, on va essayer de s'organiser. 3, 3. Ça fait un taxi. Ouais, là, on va faire comme ça. Un taxi. Non, de 3 pour l'instant. Taxi. Ouais, donc de 3 au plein milieu ici. Faut que je la décale d'un, juste d'un. C'est tellement stupide, mais je fais attention à pas ces détails. Parce qu'on voyait que là en fait on avait que plus que avec le pardon. Et le grid on avait plus que deux. Et voilà, c'est moche. Je suis un maniaque, c'est incroyable. C'est pas mal fait pour le coup. Ouais, c'est pas mal, mais bon. Je vais faire si je vais faire ça. Hop. Ça. Ok. Donc pour cette partie on est bon. Donc là, ok. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'organiser. Je vais aller un peu plus loin. Encore avec la service road. Là, hop, c'est pareil. Je vais un peu plus loin ici. Ce que je vais faire c'est que je vais organiser une sorte de petit parking. 2, 3, on va laisser 3, ça suffira, je pense. 6, 6, ça suffira amplement. Voilà. Du coup, là, on va laisser un moins. Et du coup, hop, on met un petit accès comme ça, avec un checkpoint. Ensuite d'une service road. Bon, qui va directement tracer ici. Pour l'instant, on va pas trop se compliquer la vie. Du coup, là, il faut qu'on laisse 3. Donc, ça veut dire qu'on aura du conduit qui est là. Ma piste, elle fait 5, je crois. Elle fait 5, donc 6, 6, 6. Du coup, 6, c'est là. Ensuite, on laisse 3 vides, du coup, on serait là. Du coup, on a 3. La piste, je la décale d'un. Si je la piste, je la décale d'un, je vais s'arrêter là. Je vois que le concours est s'arrête là. Ensuite, on met 1, 2, 3 vides. Et là, on met le taxi. Ok, c'est pas mal comme ça. Hein. Moi, je lag. Du coup, je voulais pas faire ça. C'est pas grave. Je t'ai supprimé ça. Voilà, je vais le laisser celui-là. Comme ça, c'est pas mal. Je sais pas si j'aurai la place par contre. Hop, hop, c'est un. Medium size.
Ouais, j'aurai la place d'en mettre qu'un, mais c'est pas grave, un par un ça ira, c'est pas la mort non plus. Ou alors dans ce cas je les mettrais peut-être plutôt comme ça directement. Je trouve comme ça, ça va, c'est pas la mort non plus. C'est pas mal également. Bon, faut qu'ils construisent un peu tout, ça va être un peu long. Donc voilà, ici on va s'occuper bah vite fait de tout ce qui doit rentrer et sortir. Enfin, de tout ce qui doit la tour de contrôle et tout ça. Ça veut dire qu'on va aller service road. Hop, ça on met une belle dalle qui fait 10x10. Et dans, sur cette dalle, on va mettre le large ATC tower. Comme ça, voilà. On va mettre un peu plus loin. Zut, hop. On enlève une couche. On met un peu plus loin ceci. Quoique je vais quand même très mettre quelque chose. C'est-à-dire qu'on va faire... On va faire plutôt du sidewalk. Donc sidewalk. Là également. Sidewalk. On va remettre un crosswalk. En face, là on va aussi en mettre un. C'est ce qu'on va faire là, je pense, c'est qu'on va, ouais, on va prendre une service road qu'on va faire monter ici. Ok, et pour finir, on a besoin de mettre notre hangar à véhicules. Juste ici, voilà. Voilà, comme ça c'est pas mal. Bon. Quant à faire, on va tout supprimer ce qu'il y a autour de la tour. Pour mettre eh bien, du sidewall comme ça. Pour marcher tranquillement. Je pense que la route là on va la supprimer et on va la remplacer toujours par du sidewalk. On aime bien. On like. Là on va mettre du concrete tile. Pareil. Ici on va l'entourer du concrete tile. Bon, voilà. Pour l'instant on a ça. Je verrai après. Bon passage, on a eu des petites nouveautés, notamment la petite subway entrance. Donc la petite station de métro qui est plutôt sympathique. Je pense que j'arriverai pas à bien le centrer, mais c'est pas grave. Bon là ils m'ont toujours pas détruit ma piste. Celle-là est presque finie, ma piste. C'est plutôt cool. Vous voyez, c'est pour ça. Je préfère comme ça. Comme ça, il y a un vrai dégradé entre là et là. Alors que sinon, bah, il n'y en a pas de réel. Enfin, voilà. Là, on a bien nos trois. Je pourrais peut-être en soi. Non, je le ferai. Je le ferai pas parce que ça va faire encore plus de construction. Bon, pour cet épisode, ça va être à peu près tout. Ah, j'ai vraiment fait une staff room ici. Pourquoi pas, écoutez. Pourquoi pas, après j'en rajouterai ici également. Je crois que ça va être bon pour cette vidéo. Je sais pas exactement combien de temps on en est, mais je pense que ça fait déjà 10 15 bonnes minutes, 20 minutes. Bon,
Évidemment, on avance, on avance, on avance, mais on n'avance pas autant que je le voudrais, je vous le dis clairement. Attends, on va repositionner la piste du coup. Que je vais mettre comme ça, je pense. Comme ça va faire un petit accès ici tranquillement. Ou attendez, si. Parce que peut-être que ce serait mieux de faire comme ça. Non, c'est bien comme ça. Ce sera bien, ce sera bien. Pour l'instant, on fait les taxis ouais, 3 quand on aura des. Je me suis gouré encore de place. Small runway. Juste ici. Et comme ça, là, je peux faire tout le tour. Je peux juste gérer d'abord. Pour l'instant. Voilà, je ferai tout le tour et ça ira bien. Ok, bon bah écoutez les gars, sur ce je crois que on va se laisser. Je vais en mettre avancé. Pour le coup pas de timelapse de construction. Je vous montrerai peut-être à la limite deux trois petites cinématiques comme je peux le faire. Comme ça, voilà. Comme ça, en bougeant doucement, je vous montrerai un peu. Donc ce qu'on a fait, j'espère que cette vidéo vous a plu. Après donc les 3 mois. Je pensais pas que ça faisait autant de temps. Après 3 mois, que la série a commencé. Hashtag épisode 1 et l'épisode 2 que voici. L'épisode 3, je vais essayer de le faire rapidement, mais vraiment rapidement, je vous promets. C'est-à-dire que je pense que je vais le record dans la foulée pour pouvoir vous le proposer dans les semaines qui viennent. Voilà. Allez, moi je vous laisse sur ce. Je vous donne rendez-vous à la prochaine Transport Fever ou Airport CEO ou autre chose. Allez, peace!